je vais pas arrêter. En fait, le morceau est très long, est presque 15 minutes, mais je ne vais pas jouer 15 minutes. Je vais faire 6-7 minutes. Si vous voulez écouter la totalité, tout le morceau, vous pouvez acheter le CD. mais ici, il n'y a pas le temps. Mais vous allez noter, il y a comme 4 mouvements. Un mouvement doux, et après un peu plus animé. Et le troisième, c'est ça commence, mais ça anime un peu. Et le quatrième, c'est un peu plus vite. Mais je ne vais pas arrêter entre les mouvements. Ça va aller tout enchaîner. Donc c'est Koyum Baba, composé par Carlo Domeniconi. Thank you.
Merci. Après, c'est, j'avais joué un morceau par, écrit par un compositeur français. Il est décédé il y a quelques années. Il était contemporain. Bon guitariste, bon compositeur. Il s'appelle Roland Dienz. Et il a écrit une sonate de trois mouvements qui s'appelle Libra Sonatina. Mais je vais jouer seulement le dernier mouvement. Thank you.
Il reste du temps pour un dernier morceau avant la pause, avant l'entracte. C'est d'un compositeur espagnol. Bon, c'est une guitare sans musique espagnole. Mais c'est un compositeur pas très connu dehors du monde de la guitare classique. Il a composé une petite mélodie qui est la plus entendue partout dans le monde. Je crois que ça va comme ça. Oui, ça fait partie de Grand Vals de Francisco Tárrega. Mais je vais faire jouer ça, je vais jouer un morceau qui s'appelle Jota, qui sont des variations sur une mélodie, une danse espagnole, Jota du nord de l'Espagne.